Donc, un récepteur de radio Internet avec un TP-Link et un Arduino. Donc, ça, c'est un petit routeur TP-Link MR3020 qui coûte une quarantaine d'euros. Un Arduino avec un Groove Shield capteur sensitif, donc des boutons sensitifs. On pourrait mettre des boutons normaux. Un hub USB, parce qu'il y a une prise USB sur le TP-Link. Une petite carte son. Voilà. Un casque. Et on est parti pour le branchement. Donc, je commence par le hub. Ensuite, l'Arduino. Voilà. Ensuite, la carte son. Voilà. Le casque. Je branche dans la carte son. L'extrémité pour l'Arduino, c'est là. Ici, l'alimentation du TP-Link. Et on branche au 5 volts. Tout démarre gentiment. La carte son est activée. Alors, j'essaie de lancer la radio. Donc là, j'ai un bouton play. Stop. Changement de radio. Voilà. Alors, c'est un peu.